Capteur de yo pas porter attention, ça fait que Asoya prend temps pour retourner sur lui-même. Et dans Deutéronome 31, verset 24 à 26, nous parlons où est-ce qui s'est passé. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'ange de l'Alliance de l'Éternel. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'ange de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme un témoin contre toi. Comme vous prenez pour nous-mêmes, Moïse écrit dans Deutéronome 31, l'Éternel écrit dans Deutéronome 10. L'Éternel passait l'ordre à Moïse pour deux tables de pierre. Première différence, l'Éternel écrit sous deux tables de pierre. Et Moïse, lorsque Moïse fut complètement décrit dans un livre, faut nous apprendre à faire différence entre la loi de Dieu et la loi de Moïse. La loi de Dieu a écrit sous deux tables de pierre, loi de Moïse a écrit dans un livre. Deuxième élément que nous parlons, Moïse écrit, lui met des tables de pierre là dans l'arche. Qui côté Moïse et tape mon Dieu, et tape de pierre, mon Dieu, à qui côté yo dans l'arche. Vous pouvez remarquer, lui baille l'autre salle à Lévite, tous les deux recevoir l'autre, oui. L'Éternel ordonne Moïse pour le mettre en dans l'arche là. Moïse commande les victimes. Il dit les victimes, n'a mettez pas de table de pierre, n'a mettez ce livre de la loi, n'a prenez, n'a mettez à côté l'arche là. En ce que les deux livres, il y a certes la loi de Dieu, il y a aussi la loi de Moïse. La loi de Dieu, qui côté la loi de Dieu?